En tant que master pro, on encadre les équipes de licence, on gère des zones de fouille et du coup on fouille chaque zone, on enregistre les données. C'est à nous de prendre des décisions, enfin, aux scientifiques, de voir l'implantation des sondages, comment est-ce qu'on va fouiller les zones. On a toute la documentation de la fouille des années précédentes à disposition. Donc à partir de ça, c'est à nous de prendre les décisions. C'est pas forcément facile, surtout que nous-mêmes, on n'est pas professionnels encore. On n'a pas forcément toute l'expérience pour gérer une équipe. Donc on apprend petit à petit, mais à force de discussions et de discussions entre master pro qui gèrent la zone, on arrive à se mettre d'accord et on encadre les licences comme on peut. On leur donne des conseils, on leur explique quels sont nos objectifs, pourquoi est-ce qu'on fait ça à ce moment-là, pourquoi eux, ils doivent faire les choses comme ça pour que la zone avance. On s'entend tous cordialement. Ce qui se passe après le chantier, c'est que j'ai donc le stage de 3 mois qu'on a fait dans le cadre du Master Pro m'a apporté énormément, c'est-à-dire que j'ai été embauchée jusqu'à la fin de l'année 2012. Je serai sur ce chantier en tant que professionnelle cette fois, plus en tant que stagiaire.